dimanche 26 mars, les fans français de l'Eurovision sont invités à voter pour leur candidat favori. Et c'est au théâtre du Petit Comédia que ça se passe. Suivez-moi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux previews? Ah non, non, les previews et moi, c'est une longue histoire. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je viens, ça permet de rencontrer du monde, de lier des amitiés aussi qui durent dans le temps. J'aime bien venir sans avoir écouté les chansons, ce qui me permet d'avoir une oreille neuve chaque fois que je viens. Donc c'est un moment très agréable. Et c'est très sympa, il y a tous les fans qui se retrouvent, on voit tous les clips et il y a une bonne ambiance, ça permet de voir un petit peu ce que les gens aiment aussi parce que beaucoup de gens réagissent dans la salle en disant j'aime, j'aime pas ou en chantant ou autre, donc on passe un bon moment. C'est la deuxième fois que je participe aux previews, j'en ai entendu parler par le biais de EFR 12 Radio que je suis assidûment. Cette année, les fans français sont parmi les premiers à donner leur avis sur les titres en compétition. Aujourd'hui, près de 150 personnes sont attendues. Au programme, le visionnage des deux demi-finales le matin et de la finale l'après-midi. Ensuite, place au vote. Une fois le visionnage des clips terminé, les fans peuvent voter pour leurs 10 titres préférés. Les votes sont comptabilisés par jury, portant le nom d'un pays. Pour moi, ce sera la Russie. Comme chaque année, tous les clubs membres de l'Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision se réunissent chacun dans leur pays une fois l'ensemble des chansons choisies. Les Eurofans français se sont donc retrouvés afin de voter pour leurs titres favoris dans les conditions de l'Eurovision, avec les deux demi-finales et la finale. Ce résultat participera ainsi au sondage de l'ensemble des clubs à travers le monde afin d'établir le top 10 de leurs titres préférés. Attention tout de même, comme le jour J, il n'est pas possible de voter pour son propre pays. Quel est votre favori pour gagner l'Eurovision cette année? L'Italie. C'est la Croatie. Je dirais la Finlande. La Bulgarie. Si, la Russie. La Belgique. La Hongrie. La Suède. Personnellement, c'est la Roumanie. L'Italie. La Suède. J'aime beaucoup la chanson portugaise. Ce serait l'Italie. Alors, la France, mis à part, pour laquelle je ne peux pas voter, évidemment. J'adore l'Italie, la Belgique et on va dire l'Estonie. Mon pays favori, moi, c'est la Roumanie. L'Italie. Moi, j'aime bien la Suède aussi parce que franchement, elle bouge pas mal. Hein. Le Portugal. Portugal, Salvador. Et l'Italie, avec aussi un gros coup de cœur pour la France. Depuis 2013, tous les représentants français du concours Eurovision sont venus à la rencontre des membres lors de la journée des previews. Et Alma ne déroge pas à la règle. Elle est venue interpréter son titre, Requiem, et s'est prêtée volontiers au jeu des questions-réponses, ainsi qu'à une séance photo avec toutes les personnes présentes. Un beau moyen pour l'artiste de lancer sa campagne officielle pour le titre. Et vous, est-ce que vous connaissez déjà les résultats? Pas du tout, c'est Maître Farouk qui tient précieusement les résultats. Je soupçonne, vu l'ambiance pendant la chanson italienne dans la salle, que c'est l'Italie qui a gagné. Mais à ce stade, il n'y a que Farouk qui connaît le résultat et qui le maintient secret. Quel a été votre rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est la coordination technique, c'est-à-dire que je prépare les vidéos pour les demi-finales et pour la finale. Et puis, je récupère les points, je regarde ce que les gens ont voté pour pouvoir établir la finale de l'après-midi. Donc, c'est pas mal de travail. Et est-ce que vous avez quelques surprises en découvrant les votes avant tout le monde? Oui, j'ai eu des surprises. Je pense que de voir les clips dans une grande salle, ça change par rapport à les voir chez soi, sur son ordinateur. Le vote internet est très différent du vote
des gens qui étaient ici. Donc j'avais le vote internet hier, et j'ai découvert le vote des previews aujourd'hui, et c'était assez différent. Donc des pays que je pensais qualifiés se sont retrouvés éliminés, et des pays que je voyais éliminés se sont retrouvés qualifiés. Donc, je pense que la salle change tout. Et qui est-ce que vous voyez gagner cette année alors ? Moi j'espère que l'Italie gagnera. Je pense que c'est le gagnant que tout le monde attend, tout le monde a envie d'aller en Italie faire le concours. Je crois vraiment que l'Italie serait un très très beau gagnant. Cette année, c'est donc le candidat italien Francesco Gabbani qui remporte le vote français avec son titre Occidentali Scarma. Les autres clubs du concours sont désormais appelés à désigner leurs favoris tout au long du mois d'avril. L'Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision donnera ensuite le résultat final début mai. Satisfait du résultat ? Très satisfait. Très satisfait. Je suis pour l'Italie. Forza Italia. Et je pense que c'est l'Italie qui va remporter le Grand Prix. Non, je ne voulais pas que l'Italie gagne. J'étais pour l'Estonie. Moyennement. Moi, j'étais plutôt pour la Suède. Alors, je suis très satisfait et j'avais voté pour l'Italie. Et je pense que l'Italie va gagner cette année. Super. Super l'Italie. Non, c'est cool. Je suis content. Je n'avais pas voté pour eux dans la finale, mais je suis content qu'ils soient bien positionnés. La chanson est cool. Alors, satisfait du résultat ? C'est excellent, Pandarei, comme ils ont dit en grec, Namaste, c'est les gagnants, super, j'adore l'Italie cette année. J'avais investi dans un seul drapeau, l'Italie, je ne me suis pas trompé. Assez satisfait parce que l'Italie est une très bonne chanson, une chanson entraînante, d'ailleurs le public l'a constaté. Oui, adoro l'Italia. Très content, je pars en Italie l'année prochaine, j'ai déjà la valise, au revoir. Et voilà, les previews françaises, c'est terminé pour cette année. L'Italie a gagné haut la main avec 317 points, loin devant la Belgique avec 199 points et la Suède à 180 points. Mais l'Eurovision est toujours plein d'incertitudes et le grand favori du mois d'avril n'est pas toujours le gagnant du mois de mai. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi danser.